Alors aujourd'hui, Louis-Anne Desburos va vous présenter l'atelier Girouette. Pour cela, il faut disposer d'un fil d'affaire qu'on va plier, hop, comme une petite flèche. On va prendre ce qu'on appelle la coquure. C'est ce fruit parasite du chêne qui se développe ici sur les branches des chênes tosés. Hop, il en faut deux. Par exemple, celle-ci et celle-là. Et là, ça devient un savant montage. On va faire un petit trou dans la première coquure, un petit trou dans la deuxième coquure. Et là, maintenant, il ne manque plus que les plumes. Et comme on le sait, on a tous des plumes dans le verret. On a récupéré à l'occasion du plumage des palomes. Il n'y a plus qu'à les insérer dans la coquure du haut. C'est très technique. En voilà une. Pourquoi pas deux, voire trois. Et même quatre. Et là, on a une girouette qui va nous permettre, tout au long de la saison des palombes, de savoir d'où vient le vin. Pas couillon.